Les gars, aujourd'hui, j'ai rien fait. J'ai pas snappé. J'avais envie de rester à la maison, rien faire. C'était mon objectif de la journée. Voilà. Comme ça, vous savez. Ceci est mon point faible. Voilà. Mon point faible. C'est une dinguerie ce jeu, je sais même pas m'arrêter. Ma belle courage, je suis avec toi, je sais ce que c'est. Moi, pendant des années, je t'ai entourée de mauvaises personnes comme ça. Des personnes qui restent avec moi uniquement par intérêt. Heureusement, j'ai réussi à faire un tri dans ma vie, savoir qui peut continuer à faire partie de ma vie. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment que la famille. Genre, il n'y a que la famille qui reste. Parfois, vous avez aussi dans la famille des personnes envieuses et des personnes qui restent avec vous par intérêt. Mais personnellement, moi, j'ai fait un gros tri. Et à l'heure actuelle, genre, je me sens vraiment bien avec les gens avec qui je suis. Il y a des années, je restais même pas avec ma famille et j'étais qu'avec des amis, avec des fausses personnes, etc. Et franchement, la vérité, je remarque une grande différence. C'est mieux de rester avec des gens que tu connais depuis que t'es né. Donc s'il y a des personnes que tu connais depuis que t'es né, c'est des personnes qui voudront toujours ton bien, qui vont toujours veiller sur toi. Après, il y a aussi des exceptions dans ces personnes-là. Il y a toujours des personnes mal intentionnées. Mais voilà, enfin, courage à toi, ma belle, je sais ce que c'est. Si j'étais à Paris, je serais sortie avec toi, mais je suis pas à Paris. La Belgique commence à me manquer, je peux pas vous mentir. Hein, les Arabes, voilà. Et je peux pas vous mentir, moi de base, quand je suis en Belgique, je supporte plus personne. Hein. Mais là, vous commencez à me manquer. Je suis en train de dire Paris. Oh ma belle, alors là, c'est une dinguerie. Moi, j'ai toujours dit, hein, faut pas être avec des mecs qui sont dans les jeux d'argent, etc. Tu peux l'aimer à la folie, mais la vérité, à partir du moment où ils jouent à des jeux d'argent, je vois pas en fait quel avenir tu peux créer avec lui, tu vois. Si le mec, il arrête, ok, il arrête, mais quand il va recommencer, tu vois, genre, parce que ces mecs-là, genre, ils recommencent un jour. Donc, très honnêtement, je suis désolée, hein, les mecs qui me suivent, qui sont dans les jeux d'argent, etc. Moi-même, j'ai déjà joué, je sais c'est quoi. Et quand je dis j'ai déjà joué, j'ai pas joué une ou deux fois. Genre, j'ai déjà joué sans m'arrêter. Et je pense que c'est vraiment un vice qu'il faut pas avoir. C'est le pire des vices, en fait. C'est pire que les meufs. Parce que ton mec, il va revenir avec les poches vides. Il va rentrer à la maison, il va être énervé, il va te frapper. Parce qu'il n'aura plus d'argent. C'est toujours comme ça, en fait, que ça se termine. Tu vois, genre, tu vas habiter avec lui, tu vas être sa femme, il va rentrer à la maison, il va te fracasser, sans aucune raison, puisqu'il aura trop bu, puisqu'il aura, il aura tout perdu. Il aura tout joué, il aura tout perdu, il aura bu, comme un trou. Et il va rentrer, il va te tabasser, et toi, t'auras pas un bal. Et puis après, ce sera comme ça à chaque fois. Et puis toi, tu vas commencer à lui donner de l'argent. Parce qu'il va te demander de l'argent. En fait, c'est le jeu, c'est une dinguerie. Genre, moi, je sais très bien, les mecs qui sont dans le jeu, genre, c'est tous les mêmes. Genre, c'est délicat. Hein. Écoutez tout ça. Très belle, très belle. Allez, on est.